Alors ici, vous êtes chez Fiveco, Fiveco Innovative Engineering, qui est une société qui a été fondée il y a 21 ans, qui est un bureau d'ingénieurs en innovation technologique. Donc au sein de cette équipe, vous avez 10 ingénieurs de l'EPFL, avec des compétences très multidisciplinaires, allant de l'électronique à la mécanique, en passant par la programmation embarquée. Et on travaille dans le domaine automobile, médical et industriel, sans oublier l'horlogerie. On travaille chez Fiveco autant avec des startups qu'avec des multinationales ou des PME. Le grand point fort, notamment de travailler avec des multinationales ou justement des grosses PME, c'est d'être capable de pouvoir bénéficier de leur crédibilité. Et deuxièmement, travailler sur des projets, je dirais, à très forte valeur ajoutée ou avec suffisamment complexes et qui relatent vraiment d'une vraie problématique industrielle. Si on prend le cas de Connectivity Group, c'est une société avec laquelle on travaille depuis un peu plus de 10 ans. On a travaillé sur différents aspects, mais principalement sur des gros projets d'innovation, jusqu'à développer des briques technologiques, comme c'est le cas dernièrement avec ce connecteur, cette brique technologique optique qui permet de convertir des signaux électriques en signaux optiques à très très haut débit. Alors quand on parle d'innovation, notamment d'innovation technologique, il faut être conscient de plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un mot, l'innovation, qui a été extrêmement galvaudé ces dernières années. Et chez Fiveco, on fait de l'innovation, on développe des choses qui n'ont jamais été développées. Et vraiment, c'est le premier sens du terme, innovation, inventeur et tout ce qui va autour. Maintenant, quelles sont pour moi les deux clés de l'innovation technologique? La première, c'est la curiosité en fait. C'est être capable d'aller se promener n'importe où dans des musées, de se documenter sur des sujets aussi divers que le médical, que l'architecture et d'autres, et de conserver cette curiosité. Puis le deuxième aspect, c'est évidemment pour moi encore au-dessus de la curiosité, c'est garder son âme d'enfant.